fait, souvent quand on cherche des locaux de répétition, on a deux problèmes, c'est les disponibilités et puis l'argent. C'est quand même assez important. Du coup, au Terminus 3, il y a vraiment une volonté de faire de la place à tout le monde et puis d'avoir des tarifs qui soient très abordables. En parallèle du fait de venir répéter ici, j'avais un accompagnement avec la Maison des Arts de Saint-Herblain, donc des entretiens avec Jérôme Binet pour définir les priorités, les objectifs, les différentes étapes sur, on va dire, 1 an, 18 mois pour le projet. Il y a un foisonnement de différents artistes, de producteurs qui passent ici. Des fois, on se retrouve tout seul quand on répète. Des fois, il y a beaucoup d'artistes différents. Et donc, ça permet beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute entre les différentes personnes. Et du coup, il y a une communauté qui se crée au sein du Terminus 3.